Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Voilà, il y en a des ya qui vous disent bonjour. Oh là, oh là, oh là, oh là Jean-Pierre, va plus rapide, va plus doucement. Alors, on n'a pas cambriolé la maison, mais j'ai déjà enlevé les cadres et on va récupérer des petites choses comme ça pour mettre dans l'inventaire puisqu'on va déménager. Hein, la semaine dernière, le petit couple Lila et Dan se sont disputés à propos de mini pénis et compagnie. Donc, ils ont divorcé. Et vous voyez bien que ça va être un peu compliqué de vivre ici à deux. Alors, oui, l'un des deux pourrait déménager seul. Mais non, parce qu'il va falloir qu'on rabiboche les deux... Oh la vache. C'est tout dans le rouge. Il va falloir qu'on les rabiboche petit à petit. Donc, je préfère les garder tous les deux sous le coude. Parce que sinon, Dan, il va aller se reproduire à tire-larigot. Dès qu'il n'est pas sous mon nez, donc voilà. On a discuté avec le chat et je me suis dit que quitte, bah, c'est pas lui qui doit ramener, hein, quitte à déménager, peut-être pas aller dans une maison tout de suite, mais rester en appartement et aller en appartement à Evergreen Harbor, vu qu'il y en a avec écologie, et ça nous permettrait d'avoir un appartement peut-être un peu plus grand, d'avoir deux chambres séparées et de pouvoir quand même, voilà, cohabiter, et puis quand ils vont se rabibocher, ils vont vouloir faire des gosses, et bien là, on déménagera dans une maison, puisque je vous rappelle qu'il faut déménager 3 fois pour Lila. Donc là, c'est son premier appartement, on va aller dans un deuxième, et après, ce sera la maison avec les gosses. Voilà, c'est un des objectifs de la génération prune. Lila n'a pas battu Britney Spears avec son mariage éclair, Britney 48 heures. Ah ouais, c'est vrai? Et Lila 72. Ouais, mais bon, dans les Sims, 72 heures Sims, ça vaut 6 ans, tu vois, donc... Bonjour YouTube et à moi-même, n'importe quoi. Bon, en tout cas, bah lui, il va bientôt aller... aller se prendre une douche, hein, Coco. Et ça claque les portes, pour changer. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était se divertir. Tu vas jouer sur ton téléphone. Bah lui, il est triste, hein. C'est lui qui s'est fait jeter, donc... Ça va pas trop. Mais elle, ça va. Hein. Elle est juste tendue du slip. Hein. Sinon, ça va. Hein. Tu peux essayer de réparer, du coup? C'est quoi, ça? Non, mais va pas te... T'électrocute pas. Hein. On a encore besoin de toi. Hein. Ce serait dommage que tu te tues. Ah, ça grésille plus. Quel bonheur. Voilà, elle a géré. Elle a géré, la belle. Elle va manger ton jambon. Oui, tu putes, tire à la douche après. Ah, quand même. Coucou à futur en bras, Queen 29, du coup. Vous êtes bête. Ça, tu pourras le prendre dans l'inventaire. Voilà. Lui, je pense qu'il... Ouais. Non, mais vas-y, va bosser. Tu t'es assez bien lavé pour aujourd'hui. Et toi, Styra, machin aussi. Bon, alors, pour vous dire, je ne vais plus aller au travail avec elle, je pense, parce que sinon, ça fait long. Peut-être une journée, et puis après, je la laisse aller toute seule. Parce que vu qu'on n'a pas d'objectif à atteindre pour la carrière médecine, c'est pas très grave que je l'accompagne pas. À la froid, bah, va t'habiller, cocotte. Oh là là, va devenir vieille dans 13 jours. Hein. Non, juste adulte. Ah, tu mets du temps à bouffer. Hein. En fait, je voulais regarder à quelle heure elle bouffait. Elle travaillait à 8h. Eh, va, parce que après tu vas pas avoir le temps de te laver. Je te connais. Oh, putain, mais elle est dégueulasse d'un coup. Mais what? Mais c'est pas possible, ça. Et puis nous, pendant qu'ils ont déménagé, et pendant qu'ils iront bosser, bah nous, on ira déménager, quoi. Tu regardes ton problème de casque, d'ailleurs. Ben... Bah, j'ai rien touché. Donc en fait, s'il commence à reparler tout seul et à faire bip bip, c'est qu'il y a un souci. Mais pourquoi d'un seul coup il me fait ça alors que la semaine dernière il n'y avait aucun problème, tu vois. Donc je ne sais pas. Sur la génération rouge et jaune. Ah, tu es là sur les lives alors que t'es dans les rediffs, t'es loin. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas, en même temps, tu te spoiles déjà à l'avance. En même temps... Tu sais juste que c'est elle, mais voilà, tu t'as pas plus d'infos, quoi.
Tricoter. Elle veut... Tu vas pas tricoter sous la douche, non? Non, parce qu'alors là... Non, mais la meuf, elle est obsédée avec ses tricots. Elle a même pas fini de se laver. Ah, et si je tricotais? C'est quand même très intéressant, le tricot, à mon âge, avec mon look. C'est logique, non? N'importe quoi. Non, tu penses, on s'en fout, on pense pas à un membre de ta famille. Ils servent à rien, ta famille. Non, on va pas accompagner. Là, elle va aller bosser comme une grande fille. Et puis, nous, on va faire en sorte de déménager. Vous voyez, c'est un appartement un peu plus grand. Alors, on va mettre comme ça. Elle, je vais lui demander de travailler. Tu vas aller chez les bottes du patron. Je pense qu'ils doivent être là, hein. Ouais, il faut qu'il soit là. Bon, tant pis. Pas grave. Je n'ai pas pu... Oh, on s'en fout. On s'en fout. Cet appartement pourri, là, avec les rats, les cafards et tout le bordel. Il n'y a que Dan qui est affecté par le divorce. Et Van a rien à fêter. Bah, c'est elle qui a fait le divorce, tu vois, qui a demandé. Donc, forcément, lui, il est... Lui, il est tristoun. Bon, écoute, mon gars. Dani. Ah. Vas-y, t'en déménages. Tu veux ta propre chambre, t'en as marre de dormir sur le canapé, hein? Même si ça fait qu'une nuit que tu dors sur le canapé. Il faut quand même... Oui. Ouais, il faut le truc... Bon bah tant pis. Pas grave, elle le refera. Elle le refera s'il faut. Avec Pulco. Ah, mon petit Pulcote. Alors, on a des fonds. On en a un certain nombre, 9500. Alors, ça, il est plutôt grand. On a quelqu'un dedans, mais on s'en fout. Hein. Réduire et recycler. Loyer 500. Loyer 500. Et on a ici. Là, c'est quand même plus petit. Ah ouais, c'est quand même plus cher aussi. Vous pensez que quoi, du coup? Ceux-là, non. Mais ils sont un peu... C'est plus des carrés, en fait, là. C'est peut-être un peu plus... je sais pas. J'avoue, je les ai pas vraiment regardés, moi, les appartements. Je sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Il a kiffé le tricot alors que celle qui avait un moodlet blasé à côté, la fameuse logique. Mais oui, bien sûr. La meuf, elle est obsédée, c'est vrai. Et elle dit, oh, le tricot, c'est vraiment naze. C'est un peu comme les gens, tu sais, qui continuent de regarder tes vidéos et que pour juste pour dislike. J'en connais. Il y en a, ils le font, hein. Ils viennent juste pour dislike. Je m'en fous, ça me rajoute une vue. C'est juste pour que ça me rapporte une vue. Ça me va, hein. Une vue, plus une vue, plus une vue. Tout ça, tout ça. Du coup, on va où, les enfants? Est-ce qu'on va à Station Conifère ou on va à Carrière Grimms? Allez. Bon, on va prendre lequel, parce que de toute façon, les deux sont occupés. Allez, on va aller là. Excusez-moi, madame. On garde les meubles ou on les vend? Je pense, ouais, on les vend. On refait tout. Hein. Allez, go. Go, go, lastico. Ça y est, on déménage. On est des ouf, nous. On va refaire toute une maison. C'est celui-là, chez nous? Ouais. Oh non, les fenêtres, elles sont affreuses. Oh non, mais ça, c'est pas possible, ça. Bon? Ben c'est parti, hein. On va aller casser des murs. Etc. Etc. A plus YouTube, ça va être un accéléré pour vous.
visiter ses nouveaux appartements maintenant de Lila et de son ex-mari futur non futur ex ex-mari. Ouais, c'est ça, futur ex-ex-mari qui donc se compose comme ça. Il y a des choses qui manquent, hein, qu'on va installer encore, hein. J'ai aimé beaucoup cet appart. Un salon. La télé fait ridiculement petite, hein. Les canapés font pas très assortis, mais c'est pas grave. On verra avec le temps. Une partie cuisine. Par contre, les murs qui bouffent le haut des meubles, c'est pas forcément jojo, mais ok. La partie cuisine, bien sûr, sans évier, hein, sinon je passe mon temps à m'énerver. La petite partie salle à manger. Ici, ce sera évidemment le coin yoga, le coin peinture de ma petite Lila. Et comme ils ne sont plus en couple, nous sommes obligés d'avoir une chambre séparée. C'est un peu la punition puisque ben Dan aura un lit, une place. Il n'aura pas de conquête à ramener, c'est pas possible. Il a au moins l'avantage d'avoir un tapis et d'avoir ce truc de ça pour faire sa carrière. Voilà, pourquoi pas. Et rien d'autre, hein. Et il n'a pas de fenêtre. Enfin, il a un miroir, mais ça lui suffit. En face, nous avons la chambre de Lila. Bien sûr, comme c'est une héritière, elle a droit à beaucoup plus d'égards, hein. Rester toujours dans les tons un peu blanc et mauve. Voilà, bon ici on pourrait. Ouais, faudrait que j'aille voir pour. Voilà. Le coin bibliothèque, non. Ordinateur, qui est dans son inventaire, à elle. Et la salle de bain, qui est plutôt, ben pas du tout dans les tons violets. Là, j'ai voulu, je suis partie sur un truc un peu plus moderne, noir-blanc, gris. Ouais, voilà, pour changer. Et puis voilà, puis il y a une petite coucou les voisins, voilà. Parce que c'est mieux d'avoir une salle d'eau avec une fenêtre, chose que je n'ai pas dans ma vie. Sachez-le. Alors, lui, il est tristoun. Bah, tu peux venir à ta maison, ça y est. Tu peux déjà pleurer. On va t'attribuer ton lit, hein, parce que. On va voir avec les yeux de Dan ce que ça rend. J'aime le frigo. Alors, le frigo et la gazinière viennent avec. La jungle, qui est un pack absolument formidable, si vous en doutiez encore. Oh, j'ai un lit, une place! Ouin! Il bouge plus. Il aura toujours la douche pour ses conquêtes, j'avoue. Oh mon Dieu. Dis-toi qu'ils nous ont placés, on était tout derrière l'angoisse. Non, le pire, c'est devant. Pire, c'est devant parce que t'as toute la vitesse. Ah, t'es crevé, mon gars. Voilà, tu iras faire une sieste après. Alors, Bichette! Ah, bah, c'est là, se disputer, ça donne pas envie, hein. Bon, ça va, c'est un petit appart. Au moins, ils ont la place pour deux personnes, tu vois là. Alors, impressionner le patron. Lila veut impressionner son patron pour obtenir une promotion. Comment doit-elle procéder? Est-ce qu'elle fait des heures supplémentaires ou est-ce qu'elle s'occupe d'une tâche secondaire? C'est au chat de choisir. Sinon, tu fais un renfoncement dans le mur pour le bureau pour pas. Ah oui, j'avoue. J'avoue, on verra après ça. Pour l'instant, ça me dérange pas trop. Faire heures sup. Je compte les points. Allez-y, allons-o. Allons-y. Comme tu veux. D'accord. Merci Alexia. Heure sup 2. 3 pour heure sup. C'est-à-dire qu'elle doit finir, au lieu de finir à 16h, elle va peut-être finir plus tard. Elle passe sous le bureau, évidemment. Pour faire impressionner le patron. Ouh, elle a peut-être des facultés qu'on ne sait pas, hein, Lila. On sait jamais. Hein. Alors, heure sup, tâche secondaire. Allez, bon, on fait heure sup. Et un gain de performance petit. Et elle est déjà rentrée, donc en fait elle a pas fait d'heure sup, mais c'est pas grave. Comment elle va, cocotte? Ah, elle a besoin de se divertir, hein, Bichette. Est-ce que tu peux manger? On est bien parti avec nos plats. Ça, c'est formidable. Et tu vas regarder la télé. J'ai oublié de mettre de la musique, c'est pas grave. C'est pas grave, Joséphine. Pourquoi Joséphine? Je sais pas, pourquoi pas écouter. De la bonne pizza. Je me suis fait une pizza moi après le live hier. Hein. Je l'ai faite. Hein. Je l'ai faite. J'ai oublié de mettre la poubelle.
comme d'hab. Non, on s'en fout de Nox. Allez, on s'en fout de Nox. Regarder ta télé, toi, Boubourse. Alors, son tapis. Peut-être mettre là. Son truc, on va le mettre là. Voilà. Nous avons plein de trucs ici. Nous avons les cadres des héritiers. Pepper, cette regrettée. Oh, Bordeaux, c'est magnifique. Pulcote, le regretté. Nuage, qui n'est pas encore parti. Je n'ai pas encore fait de séance photo avec la petite là. Ça viendra. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont beaux. Bon, eux deux, ils sont ratés parce qu'ils ont les yeux marrons, mais ça c'est... Salut Roland! Salut Kirikav, comment vous allez? J'ai retrouvé les appartements comme ça, il n'y a pas besoin de plus de place si tu fais pas de jumeaux. Non mais là, on va déménager quand il y aura des enfants. Arrête de venir... Viens, regarde. Viens regarder la télé avec ton ex-femme. Non mais tu peux manger aussi, tu sais. Oui, ok. Ouragan Grisou. Non, 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 on peut pas changer de travail, Jean-Pierre. Ben voilà! Oh, rapprochement! Chut! Oh, non, bah non. En fait, il l'envoie bouler. Il fait, mais, me parle pas! Elle a envie de... T'as envie de le réconforter? Bah oui. Sois pas triste, on va se remettre ensemble. Enfin, j'espère, en tout cas, j'ai jamais essayé. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Oups. Tu dois avoir le vide-ordure sur le palier. Du PC gamer HS, mais sinon ça... Ah ouais, bah ça, oui, c'est quand les PC sont plus... Non, non, j'ai la boîte aux lettres. J'ai oublié la poubelle. Oh, comment ça, il neige? On est en hiver? Depuis quand on est en hiver? J'avais oublié qu'on était en hiver, moi. Mince. Bon, vous discutez ou comment ça se passe, en fait? Ah bah ça y est, elle en a marre de tricoter. Pouvez discuter quand même, non? Vous êtes des gens de civilisés? Conversation désagréable. Tiens, tiens, qui c'est qui là? Oh là là, c'est la vieille Nunu, c'est la vieille Nuage. Ouais, mais elle s'est bien habillée, Nunu là. Bon, là, les seins qui tombent, hein. Mais quoi que c'est quoi que ce haut? Je t'ai pas habillée comme ça, Nuage. Je t'ai jamais mis ce haut là. Non, non, je suis pas d'accord. Le bas, oui, mais pas le haut, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? 19h, quoi. Bon, on va essayer de les rabibocher un petit peu, mais bon. Lui, il est triste. Hein. Crier son adoration. Bah non, tu peux pas lui parler normal? C'est une star? Ah ouais, ouais, une étoile, donc il peut pas lui parler correctement à sa belle-mère, c'est logique. Ça, j'ai galéré à les faire se remettre ensemble, mes Sims. Ah ouais? Tu l'as déjà fait? Ah, ça, c'est plus facile de se diviser que de se... Et de se fâcher que de se rabibocher. Bah écoute, ce sera la première fois que je fais ça, je crois. J'ai jamais rabiboché des Sims que j'avais fâchés. On verra bien. Qu'est-ce qui se passe, Nunu? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux nous le donner? Je vais, Miam. Si vous êtes encore là après, je sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Film m'ennuyer. Lave-hôtel, suçon, lave-hôtel, suçon, lave-hôtel, suçon. Cœur bleu. Se plaindre de problèmes. C'est pas terrible. Hein.
Vas-y, plains-toi tout, mon gars, t'as raison. Se plaindre de l'acteur, vas-y, plains-toi de l'acteur. Si vous parlez d'autre chose, peut-être que ce sera mieux. Hein. Oh, tu es bien habillée. Ex-mari embrassé. Oh putain, non, ils s'entendent pas. Hein. Oups. C'est que de la théorie des couleurs, peut-être. Si ça marche pas... Bon, je vais mettre une poubelle, parce que j'ai oublié la poubelle. Comme à mes grandes habitudes. Hein. Oh non, mais... T'as tout le monde qui débarque, là. Moi, les poubelles, c'est vraiment le truc que j'oublie à chaque fois dans les Sims. Allez, ça prend pas de place. On va mettre ça chez le voisin. Non, je m'en fous. À la limite, la vente, oui, mais non, toi, tu t'en fous. Je m'en fous. Dégage. Confrontation odieuse, mais magnifique, les enfants, vous allez. Super. Supplier de pardonner, vas-y. Supplier de pardonner. Et supplier de pardonner. Ah, dis donc, la Vendée. Sexy lady, quand même, hein. Avec des boobs incroyables. Des boobs de compète. Ils respirent pas la joie de vivre quand même, c'est de la... Bah, ils viennent juste de divorcer, c'est un peu normal. La carte graphique de ton PC, c'est une quoi? Je veux changer la mienne. Oh, bah alors là, je te le dirai, mais bon, maintenant. Remonte-moi ça en privé. Flatte-le, non? Je sais pas. Discuter de la stress. Oh mec, si t'es pas content, tu vas te barrer, hein, moi je te le dis. Hein. On va te foutre à la porte. Hein. Bon, de toute façon, tant qu'ils sont pas encore dans leur bon sens, là, tu vas même prendre une douche. Déjà, ça te fera du bien. Bon, ouais, c'est bon. Toi, va regarder la télé, mon gars. Alors, est-ce qu'elle va nettoyer comme il faut? Le suspense est à son comble. Mais je pense que c'est à peu près celle-là, Roland, que j'ai, je crois. Salut, la Miserni, comment tu vas? Mais elle va où, elle? Ok, ah ouais, d'accord. Oh, t'avais pas plus loin, non? Bon, après, t'iras dormir. Mais qu'est-ce qu'ils ont à mourir? À pleurer, là? Y'a quelqu'un qui est mort ou quoi? Je suis pas au courant, moi. Qui est mort? Mais non, Adonis, il est vieux. Pulcote! Oh la vache. Ah, Pepper. Ça, c'est l'arbre généalogique. Où nous en sommes? Nous sommes ici, hein. Bien sûr, vous voyez bien que les couleurs, voilà. Nous avons une génération de plus, Axel, que Yann a pondu à une petite Axel avec Caroline Soriani. Sûrement des gens que vous m'avez fait, hein. Ça remonte à... Ouais, ça remonte un petit peu. Il commence à avoir du background dans cette histoire, dans cette famille. Pepper. Voilà. Nos sœurs n'ont pas encore pondu. Moi, je les ai laissés vivre leur vie, hein, donc après... Mon nuage, elle est trop vieille maintenant. Hein. Mais... Salut, Quentin, comment tu vas? Denis, il est vieux. Ah bah oui, il a vieilli. Bah, ma nuage aussi, mais elle était déjà grise, déjà, avant. Salut, Nunu. Donc, on voit moins la différence. Elle est partie se pioter. T'as raison, remonte-toi bien le niveau. Il est 23h. Allez, c'est une bonne heure pour dormir. N'aura pas bossé beaucoup ses compétences, mais c'est pas grave. C'est... Ça va T'es un peu une grosse truie, toi, non? T'es pas un peu dégueulasse sur les bords? Ça, je peux... Tu me fais la vaisselle après, hein, cocotte? Voyons. Salut, Luta, comment tu vas? Trop stylé, l'arbre. Ah bah... Quand t'es pas à ta première génération, ça commence à faire long, hein. Je pars de la gare turbulence de Co is coming, pour être soucie. J'avoue, les bouffes de la vente. Ah ouais, mais là... Puis ce haut-là, je pense que ça les met en avant.
incroyable, quoi. C'est très très bombé, hein. C'est les jambes du haut, hein. Waouh. À mon cœur. Un petit loulou, comment ça va la dalle? Ça va tranquille? Je pense qu'elle est tranquille, elle. Qu'est-ce que tu fais? Mais elle vient de bouffer un truc, elle va. Qu'est-ce qu'ils ont avec le cube du futur? Ça y est, c'est le nouveau truc. Ok, vous savez quoi? On va en acheter un aussi. Parce qu'en plus, les Sims gourous, ils sont repartis avec leur cube à faire des trucs chelous là. Nous aussi, on va prendre un cube. On va voir ce que le cube nous dit. Il va peut-être nous spoil le prochain pack. Hein. Ils aiment bien se balancer. Hein. La mouche. C'est un bug? Mais comment on mange cette lavande? Bah comme une truie. Hein. Elle doit avoir le trait glouton. Je me souviens plus. Hein. Je vais pas vous mentir, je me souviens plus du trait qu'elle a. Non. Ah, bah, j'ai dit indépendante machine à danser. L'indépendance, c'est quand elle était bambine. Hein. C'est plus le cas maintenant. Ça va pas du tout. Il y a un gros malaise. Divorce. Et ce mariage s'est terminé par un divorce. Oupsie. Il va falloir bosser hein, pour les remettre ensemble. Je pense que ça va être, ça va pas être si simple que ça. Un petit peu gloutonne, ouais, un petit peu beaucoup. Spoil des Sims 5, mort de rire, visage avec des larmes de joie. C'est, j'ai ma nièce, elle m'a sorti à... Ouais, t'as vu, les Sims 5, ils vont sortir l'année prochaine. Je fais, non. Je fais, comment ça, non? Je dis, bah, y a rien d'officiel, donc non. Clac! Allez, tais-toi. T'y connais rien. Bah, après, les gloutons, ils mangent comme ça dans les Sims. Vous avez jamais eu de Sims gloutons? C'est assez dégueulasse hein, quand il bouffe. Hein. Ah bah! Ça neige. Ouais, vas-y, t'es excitée. C'est ton sandwich qui te rend comme ça, cocotte? Quand tu veux, on veut voir de plus près quand tu bouffes. Hein. L'apéro est enfin arrivé. Ah, oh, la chance! Oh, moi, j'en ai pas. Voilà, là, on voit. Non, il y a gourmand et glouton. Quand ça mange comme ça, c'est glouton en général. On verra bien. Allez, c'est bon, la vente, là. Rentre chez toi. Dégage. Ça, nous, on avance un petit peu, là. Ils iront, ils seront en forme. Ben voilà, toi tu vas me faire un petit pipi, tu vas me prendre une douche. Oui, va, 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 va. Tu dois faire quoi? Tu dois marcher au pain. Ouais, il va aller bosser. Il a pas encore marché au pas. T'en as pour combien de temps encore? 5 heures? Oh, ça va. Moi, le pauvre choupi, là. Va marcher au pas. Allez, regarde, tu vas avoir une promotion. Allez, Lilat. Lilac. Comment je pourrais l'appeler? C'est vrai quoi à son surnom, à elle. Après, Pulcote et Nunu, on sait pas, hein, Lila. Elle a la spice sandwich au fromage, peut-être. Ah bah non, c'est moi qui l'ai mis. Donc, je pense pas. Une chance qu'en vrai, on mange pas comme ça. Oh, oh, oh. Je pense qu'il y en a qui le font. Il est tristoun, t'as fait que 25% hein, mec. Bon c'est pas grave s'il a pas de... Lui on s'en fiche un peu. Ça va, c'est bon? Cocotte. Soigner 3 patients. Ah, on va peut-être aller au boulot aujourd'hui. Juste pour qu'elle fasse les trucs des patients. Comme ça on sera tranquille. Bah, t'iras pisser hein meuf. On a la toilette exprès. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Pourquoi tu danses? Elle va regarder la télé, hein, si tu veux te remonter le divertissement.
Je dis, on a toute une maison faite pour ça. Allez, on y va avec elle. Pour une fois. Pas très propre le quartier. Bah oui, c'est Evergreen Harbor. Donc c'est un petit peu cracra. Faudrait voir les plans d'action. Mais on se marrerait si les militaires s'entraînaient à marcher au pas dans la rue. Oui, complètement. Alors, Lilac, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'espère que nos collègues sont toujours des êtres vivants. Et pas des êtres morts. Nous devons prélever un échantillon de patient, donner la nourriture, examiner les oreilles. Alors, on va le faire. Examiner le patient. Examiner les oreilles. Examiner, prendre un échantillon. Voilà. Mais casse-toi, toi! C'est ma patiente! Oh putain, j'en ai marre. Saleté! Oh la vache! Oh madame! Ça vous va bien les rayures rouges, oranges avec... et vertes là? Superbe. Par contre, ça a rien dans le crâne. Oh non! Arrête de faire n'importe quoi! Allez, refais! Température! Prends ta température! Voilà, braval! Et radiographer le corps. Radiographer le corps. Analyser échantillon, donner la nourriture. Toi, on va donner de la bouffe. Voilà. Ça sera fait. Ça s'est cassé. Réparé. Ah, ok. Bon, bah tant pis. Faire une radio. Calibrer. Il faut que je fasse comment, du coup, pour ça? Un examen avancé des éventuelles maladies d'un patient peut être réalisé à l'aide d'une radio. Écoutez, on va voir ce que ça nous demande, hein, on verra bien. Dire un avatar marron. Je me suis désépaissi les cheveux aujourd'hui, ils étaient super épais. Ah bah oui. Faire une piqûre à un patient et analyser l'échantillon. Tu vas analyser l'échantillon. Voilà. Casse-toi! Dégage. Putain, c'est pas vrai qu'elle perde de temps. On va tirer à la réparer. Tant pis. Non mais elle rate ses skills en bricolage. Consigner les résultats. Elle est trop forte, Lila. Elle fait tout. Faire une piqûre. Qu'est-ce qu'il vous faut, vous? Ah non, c'est... c'était où? Soigner le patient. Médicaments. Flatulence et fou rire. Sexy, monsieur, votre maladie. Hein. Je vous pourrais dire, mais... Avec des médicaments. Non mais c'est pas ça, c'était... Oh! Tant pis, c'est trop tard. Faire une piqûre et prélever un échantillon. On va prélever un échantillon. Je peux pas. Casse-toi, toi! Dégage! Laisse-moi cette patiente. Marina Carriero! C'est pour... c'est une descendante de chez Marie, ça. Tu vas prélever un échantillon. Patient guéri! Ouais. J'en suis à 2 sur 3. Faire une piqûre, radiographier. Mais ouais, mais ça, je sais pas, moi. Ah, j'avais pas vu. C'est envoyé faire une radio. Je suis débile. Tac, tac, tac. Maladie attrapée. Regarde, on a la chance de laisser ça. Flatulence et fou rire. Ah, et non. Allez, fou rire, je veux bien les flatulences. Je sais pas si ça me fait plaisir, tu vois. Adieu, madame. Madame Carriero. Elle a les yeux marrons. On se demande pas d'où ils sortent. Hein. C'est forcément de chez Marie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me faire des foyers pour le Notsoberry. Vous pouvez partager les foyers avec le hashtag NotsoShirley sur la galerie. Et j'ajoute régulièrement des petits foyers. Donc n'hésitez pas.
des familles, des enfants, des frères et sœurs, tout ça. Pour faire un petit peu de diversité, mais alors pas de yeux marrons, parce qu'ils seront pas ajoutés. Voilà. Ça, vous le saurez. Prendre la température, analyser. Est-ce que tu veux encore analyser? Vas-y, analyse. Analyse complète. Ah non, on n'a pas le temps à la vendre là. On bosse, nous, s'il te plaît. Regardez-moi cette tête là. Prélever un échantillon, faire une piqûre, prendre la température. Eh ben, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Prendre la température. Et l'échantillon. Vous avez pris déjà un échantillon? Ouais. Crotte, je suis obligée d'administrer à nouveau. Casse-croûte, hein. Oh là, elle s'énerve. Examinez les oreilles. Tiens, on va examiner les oreilles. Faites voir, madame, si vous avez du cire humaine qui vous bouche la cervelle. Ou pas. Sinon, ils sacrifient ça. Ils sont brûlés sur l'autel de la place publique. Discuter d'un patient admis... J'ai jamais dans la santé. Radiographer le corps. On va tout faire. Excusez-nous, madame, hein, mais vous êtes notre cobaye pour le jour, pour la journée. Très bien, Love Sims. Les yeux marrons, je les mange. Oh putain, c'est dégueulasse. T'es pire que moi. Faire une piqûre, examiner les nœuds. Non mais tu vas... Eh, hey, oh. Examiner les nœuds. Examine. Ah, elle a les yeux étoilés, celle-ci. Transférer le cas. Allez, tu vas transférer le cas. Le caca. À Fufui. Ce Fufui, c'est tellement la base du monde. Tac, tac. Soigner un patient. Médicaments. Flatulence et fou rire. Bah, tout le monde a... Vous avez tous regardé mes lives ou quoi, les gens, là? Je plaisante. Alors, il y a quoi comme beau monde, là? T'es mignonne, toi? Oh, il y a notre voisin. Allez, on va prendre Yann Charme. Vous voyez faire une radio, non? Flatulence. Flatulence et fou rire. T'as pas... Oh non, mais Lila, c'est dégueulasse. Hein, je... Alors, prélever un échantillon. J'ai pas encore l'or. Hein. Au moment où j'aurai l'or, j'arrêterai de faire de travailler, mais... Pour l'instant, j'ai pas... C'est bon, j'ai l'or. Oh. 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 Allez, on va faire une radio. Oula, oula, énerve-toi pas, Lila. T'as pas... Oh, quel joli! J'avais pas vu que c'était des petites roses, des petites tulipes. Magnifique, ça lui va très bien. À ce jeune homme. Allergie plus grosse menace. Ah oui, d'accord, pardon. Je ne savais pas, Love Sims. Je ne savais pas que tu avais ça. Comment je peux savoir, moi? Ah, j'avoue, ça craint. Ça neige de ouf dehors. Hein. Les fenêtres, elles gèlent. Je le vois. Oui, fais ça, et puis après tu peux... tu peux quoi? Y a quoi dans le coin? Tu peux aller te divertir si tu veux. Ah, t'as ton ordi? Bah oui, t'as ton ordi. Oh bah tranquille, Emile, hein, dis. Bah joue, cocotte. Joue à Big Block. J'espère qu'elle a pas laissé le PC là, hein, sinon je crie. C'est pas drôle. C'est bon, elle a récupéré son PC. On va le mettre. Tchouk. Viens jouer. Il n'y a pas d'électricité. Écoute, viens bouffer. Qu'est-ce qu'il fait lui?
Écoute, toi tu vas marcher ou pas, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Dream. Oh super, ça va me casser les couilles ça. Va falloir qu'on mène la vie dure au plan d'action, là je le sens. Mais... Eh. Vas-y, tricote. Niveau 4 du tricot. Ça l'a diverti aussi un petit peu quand même. Waouh, les super chaussettes de la mort. Non, tu vas me refaire des plantes là. Tricoter. Alors, ouais, vas-y, celui-là. Et après, tu vas me tricoter. Prochain tricot. Des crottes, des... Non, tricoter, pas décroter. Moyen, hop. Bon, je vais jouer à la Switch, ma connexion bug beaucoup si y est-il chiant. Ouin, ouin, pleurez, pleurez, bisous sur vos fesses. Visage romantique, visage bisou, visage bisou. Ah, Liane! Ma pauvre, tu t'es fait taper dessus. Montre qui est la boss. De quoi, que quoi? C'est la canicule. Ok Marie, pas de soucis, bon courage à toi. Boss du ban numéro 2. Tu veux savoir combien t'en as? Oh t'en es très loin. T'es très loin de Sianana. Très 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 loin. On va mettre en vente sur Plopsy. Ça on va l'ajouter... À la garde-robe. Et à la garde-robe. Et ça, on va... Aussi, on va sur Plopsy. Voilà. Ça, on a notre petite plante. Putain, par contre, il fait nuit, là, les enfants. Va faire t'entraîner au yoga, hein, du coup. Hop, oh, ça a l'air de vachement l'envoyer. Bah oui, bah je suis désolée, hein. Bon, il se met loin, le truc, hein, tant pis. Excuse-moi, à 21h, on aura de l'électricité, hein, pas avant, hein. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, mais tu discutes avec qui? Non, non, vas-y, rentre à la maison. Bichette. Je l'avais oublié, ce pauvre. Donc demain, il a une promotion, lui. Attention, la lumière... Non, la lumière ne fuit pas encore. On va pas tarder. Et voilà! D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas mis les trucs automatiques, tous les éclairages, comme ça. On va faire des vrais... Mais arrête avec ton tricot! Va pisser. Ah bah écoute, va manger, je sais pas, fais ta vie un peu. Mange. Y a ton ex qui est en train de pisser, il va prendre une douche aussi après. Il est en sale état, le pauvre. Ah oui, bah Lila, elle est bien gaulée, hein. Elle était un petit peu... Mais quoi? Mais va te laver, toi. Tu vas pas me dire que tu peux pas te laver? Tu vas pas me dire qu'ils ont coupé l'eau aussi, là? Ça suffit, hein. Allez, c'est parti. C'est fait. Regardez-moi comme elle est bien collée là. Pouah, ça dégoûte. Ça dégoûte. Et merci Daenelien pour ton follow et bienvenue à toi. Oh, il nous en reste 11 avant le... Avant les 1300, les enfants. Dans mon autre sobéré, ma génération jaune est ado, j'ai bien avancé. Ah, c'est cool! Faut en profiter si vous savez. En plus, la jaune, elle en a qu'un seul, donc vous n'avez pas le choix. Mais c'est vrai que les autres, des fois, quand on peut pas trop avancer en attendant de voir qui sera élu, quoi. Enfin, après, moi c'est parce que je le fais en ligne et tout ça. Mais vous, dans votre côté, vous pouvez très bien se dire, bon, ben, j'ai déjà choisi mon héritier, voilà. C'est vrai que moi, je vous laisse quand même un peu le choix sur le truc. Ah!
On va plus avoir d'argent. Ah. On va faire une vraie poubelle parce que là, je sens que... Ah ouais, tu iras pisser d'ailleurs, j'avoue. Il est parti se coucher. Il est propre. Ouais, il est propre. Et là, elle peut faire les poubelles. Enfin, elle peut faire les poubelles. Oh, ce cul! Pouah! Ça me dégoûte. Pardon. Pareil, tu iras à la douche après et au lit parce que bon. Pas trop le choix, on n'aura pas, ils seront même pas discutés aujourd'hui ensemble quoi, c'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer. Voilà, voilà. Vous êtes pas très expressif aujourd'hui, hein. Allez, la douche, cocotte, après tu pourras te reposer. Ah, il est minuit, oh ça va. C'est rien minuit, hein. Voilà. Un bon dodo. Et voilà, tout va bien. Là, j'ai plus peur de la perdre parce que, ben... Il n'y a plus le lic-lic-lac, là. Ah, elle travaille pas! Oh, c'est cool pour les... On va faire à fond, là, les compétences. Ça, c'est cool. Elle travaille pas pendant 2 jours. Mon pauvre chou. Ouais, va regarder la télé. Lui, il travaille, par contre. Tu vas aller bosser, hein. Va... Mais oui, 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 oui. Va manger un truc. Et regarde la télé, je m'en fous. T'as le droit. Hein, on va pas te taper. C'est pas dans le bon sens sur la télé. Voilà. Par contre, ce fauteuil-là, il est pas... il a pas l'air très bien pour... Ça, il se remonte tout, là, avant d'aller bosser. Il faut qu'il aille... Pas grave, tire en retard. Oh, il est dans le verre. Allez, vas-y, go. Va bosser. Et la cocotte. Oh, bah. Tranquille. Mais pourquoi elle dort pas? Mais pourquoi ils ont un problème? Ils dorment pas leur nuit, là. C'est quoi ce délire, en fait? Retourne te coucher, bon sang, wesh. Trop dur. J'ai une question. Comment on fait pour être IA Game Changer? Faut postuler, c'est qui te... On en a parlé en début de live, en plus, ça. Comme j'ai dit, il y avait des fois, il y avait des candidatures d'ouvertes en fait. C'était, ils annonçaient que les candidatures étaient ouvertes sur Twitter. Et moi, me concernant, ils sont venus me contacter directement. Donc, en fait, il faut juste que tu fasses du contenu sur les Sims, que tu fasses des constructions ou une chaîne, des vidéos ou bien du stream ou bien des CC ou un site. Et après, bah, si t'as la chance de te faire remarquer, bah c'est cool. Mais là, j'avoue, en France, on est tellement maintenant. Le nom de ma soeur, ouais. Il fait une demande d'abrogation. Ouais, on va aller voir ce qu'il y a comme plan d'action du quartier, là, parce que... Bon, Micheline, là, ça fait... Il est 11h du matin. Tu vas te lever. Tu vas me prendre un petit bout de gâteau pour déjeuner. On va regarder les plans d'action. Pour voir ce qu'il y a. Ce body. Alors, économie d'électricité, initiative de recyclage, support technique et union des gourmands. Limitez la consommation générale d'électricité de votre foyer en évitant un usage excessif des appareils électroniques. Si vous ne parlez pas à économiser une quantité d'électricité satisfaisante pour la taille de votre foyer, telle que définie par le conseil, vous recevrez une amende quotidienne. Ça, c'est bâtard. Initiative recyclage. Support technique, c'est quoi? Programmation, bien la méthode. Nous pouvons continuer à rendre notre monde meilleur par la technologie. C'est naze! Alors ça, à la limite... ouais, les trucs de bio, union des gourmands, je veux bien, mais... Ouais, on va faire une demande d'abrogation, là, si possible. Hein. Enfin, car c'est les noix, hein, cette histoire. Et elle est malade, d'accord. Économie d'électricité, c'est chiant. T'as combien de points, toi?
D'ailleurs, parce que je regarde pas. 306, ça va. Ça va, on a un peu de mou s'il faut voter pour un truc. Tu vas me jeter ça. Ah, on va poser une question. Vas-y. Pose une question. Je peux d'ores et déjà vous dire que vous allez vous ennuyer. Se renseigner sur les mystères scientifiques. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu un truc qui est mystère. Les mystères de l'univers vous seront révélés à force d'études. Futur incertain, revenez plus tard. Ouais. Sur la vie amoureuse, tiens. Je vois. Je votre avenir est si brillant que ça en fait mal aux yeux. Aïe. La tête qu'elle a, je suis. C'est marrant. J'aime bien la tête qu'elle a. Oh, la miniature. Peut-être. Bon. Meuf, tu vas me faire des toiles là. Oh là là, ça y est, elle se sent plus pisser. Ouais, mais ton mec, il est au boulot là pour l'instant. Non. Ouais, fais ta toile. Je vous rappelle qu'il faut avoir plein de trucs, voilà. 5 compétences au niveau 5 pour son aspiration. Et nous devons avoir 2 aspirations au niveau 10. Et 6 autres au niveau 8. Donc il y a énormément de boulot. Je me demandais comment ça marche. Pas de soucis, Amuse Vernis. Et merci Choupi pour le follow. Bienvenue à toi. Ma souris connectée a enfin une pile. 306. Bah ouais, mais je les ai jamais utilisées. Oui! Il est revenu. Il a eu sa promotion. Oh là là. Il est pas content, le chouchou, hein. Eh, viens. Viens regarder la télé. Ça va te détendre le slip. C'est bien, Dan, t'as eu ta promo. Elle est toute excitée. Notre voisine de palier était donc une vampire. En vrai, j'en ai rien à cirer, moi, qu'elle crève. Ils vont pas nous foutre l'urne au pas de la porte, hein, parce qu'on a déjà eu ça la dernière fois, hein, avec la vieille qui est crevée dans le couloir et qu'on nous l'a mis chez nous. Hein. On la connaît pas, on s'en fout. Suffit, oui. Les Sims. Mais c'est qui, celle-là? C'est la voisine de palier, c'est celle d'à côté, celle qui habite là. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi t'es toute bleue? C'est une alien? Ah, mais moi je veux pas de vampire, pas d'alien, hein. Ça suffit, cette histoire. Oh! Sturm Garsh Tharg, Tharg Tharg, Zud Zud. Oh! Ça remonte, ça remonte! C'est eux qui ont commencé à parler entre eux. Hein. En même temps, il s'est retourné regarder ce qu'elle fait. Il a vu ce boule et s'est dit, ouais, ça me manque. J'ai à peine touché à ce machin. J'ai envie d'y regoûter à ce boule. Continue ta truc, toi. Non, mais meuf. Vas-y, vends. Faut que tu me fasses. Allez, vends! Alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me faire un paysage. Embrasser. Vas-y, complimente l'apparence. Je suis pas sûr que ça passe, hein, par contre. Hein. Parce que là, elle est chaude comme la braise. Mais wesh! La faucheuse, là! Mais c'était pas. On t'a pas demandé de venir chez nous, hein. D'accord! Nous avons une faucheuse qui vient faire du sport. Comme d'hab, hein, sur mon jeu, ça devient n'importe quoi. Hein. On s'étonne plus de rien maintenant, hein, mais là. Ce choubouche qui s'emboule, il s'est dit, c'est ça. Ah oh, non, j'en peux plus.
Non, tu vas pas prendre ma Lila. On a viré le lit qui tue les Sims. Il va la traquer. Quand même, chérie, t'es peut-être recouverte de boutons, mais... qu'est-ce que t'as un beau cul, hein, bon sang. Oh lolo. Oh, ça va être trop facile, en fait. Ça va être trop facile, ça, les enfants. Ça va être trop facile. Par contre, c'est nul que ta voisine s'amorte, ça fait de l'animation en moins. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir, hein. On nous a pas mis l'urne. Tout va bien, alors. Elle est crevée où? Elle est crevée là. Je ne sais pas qui a fait ça. Je regarde parce que bon, au cas où elle nous l'aurait déposé dans un coin, là, la faucheuse. Ça va, on n'a pas d'urne. Tout va bien. Il est content, regardez. Il est content. Allez, va regarder ton avenir. Niveau 6. Yes. Côté amour, votre futur n'est pas brillant. Ah bah merde. Pourtant, ils vont bien se rabibocher, hein. Qu'est-ce que te dit le cube? La faucheuse critique d'art, c'est ça. Cette chose dont nous avons parlé arrivera sans aucun doute, car tous les signes indiquent la réponse sur laquelle nous sommes mis d'accord lors de notre dernière discussion. Amen. Allez, tu vas manger du jambon. Lui, il est remonté à fond, hein. Tu dois faire quoi? Tu dois aller courir. Nickel. Tu iras me faire une petite douche tonifiante, sachant qu'il est en congé le lendemain. Et elle aussi. Regardez-moi ça! Ouais, ça va tout seul. Là, ça va aller tout seul. Comme papa dans maman. Comme une courgette dans du beurre. Allez, tu peux la vendre. Je sais plus à combien t'es en yoga. Niveau 5. Ah, alors. J'ai envie de finir l'aspiration avant. La logique, on n'est pas loin. Tu peux lui parler de logique? Comme ça, c'est fait. On va le choper en parlant d'énigmes logiques. Le nouveau. Draguer. Et rediscuter. On n'est pas loin. Oh, c'est bon, là. On doit la voir. Allez. Je peux avoir une phrase? Elle préfère le draguer. Courgette dans du beurre. Bah, pourquoi pas? Moi, j'ai des courgettes, là. Oh là là là, c'est facile. C'est facile, Emile. Ta 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 ta. Il nous reste un niveau dans une compétence. Bah, le tricot. On va tricoter, hein. Tricoter ou on va charismer? Attendez, on va charismer, peut-être. Complimenter la tenue. Illuminer la journée. Après, tu vas y manger après. Promis. Promis, juré, craché, ravalé. Tout ça. Et merci, Vicky Red Sandy, pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Il reste 9 personnes pour atteindre les 1300 follow sur Twitch. N'hésitez pas. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore follow, venez, je ne mords pas. Enfin, sauf si vous le demandez. Mais ça encore, ça peut se négocier. Lui, il va faire sa petite douche. Il va aller faire son petit jogging après. Ça va, hein. Et en fait, à la fin de l'épisode, on rabiboche, hein. On va aller rabibocher de sa mère, hein. Je vous le dis, moi. Elle va courir. Mais pourquoi ils font tout le temps ça, maintenant? Entre les et les hein. C'est un petit peu redondant, quand même, hein, les Sims. Bon, là, je la fais manger. Elle ira acheter ça. Elle est crevée, hein. Elle casse ses couilles aussi, elle. Et tu vas tricoter.
ne peuvent pas tricoter dans une chaise associée à un autre objet. D'accord. Mais debout, il n'y a pas de problème. Détricoter... Ouais, détricote les chaussettes, là. J'en veux pas de tes chaussettes. Un objet tricoté... Des tapis! Bien sûr, un tapis violet. Tu rigoles ou quoi? Oh, Karl le zombie voudrait acheter chaussettes mimolées jaunes et blanches sur Plopsy. Cool! Tu iras les vendre à 55 simflous, quand même. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on va terminer l'aspiration, du coup? C'est le dernier truc? Ah non. Ah bah, atteindre le niveau 8 dans 6 compétences, ça fait partie de l'aspiration. Atteindre le niveau 3 dans 3 carrières? Ah, je savais pas. On est où, là? On est au niveau 3. Ah bah, c'est bon. À ce niveau-là, on est bien. Coucou, Madame J, comment tu vas? Voilà, profite. Pas de soucis, petit des bisous. Petit agent 21, cucu, je reste pas bon. Live et bonne soirée. Profite bien faite. Attention à vous. Plein de bisous sur vos fesses, agent 21. Boule. Évidemment, toi aussi, fais attention. La légende dit, quand une personne meurt dans les Sims, une partie du cœur de quelqu'un meurt. Si c'est pas toi, c'est ton voisin. Si c'est pas lui, c'est son voisin. Ouais, sacré légende. Hein. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ah, elle a détricoté, maintenant elle tricote. D'accord. Et toi, tu fais quoi? T'as couru? Va recourir. Ah ouais. Ouvrir le parapluie. Non. Qu'est-ce que tu fais? Allez courir, putain, et ça tape. La connasse avec ses gosses, elle est revenue, donc forcément. Bah écoute, tu vas... Voilà. Toi, tu remontes sur ton palier pour, en guise de courition. Voilà, maintenant j'entends que ça hurle dans la rue, c'est logique. Un petit chacha. Mes petits cœurs, ils sont contents d'avoir retrouvé leur maman. Mon Georgette, tricote. Hein. Agent 21, boule, taroche, 3, twitchuniti. Comment? Bisous à toi, madame J. Quelle est belle, ma petite Lilax. Bon, bien sûr, je pense que vous serez plus excités une fois qu'on aura des bébés. Hein. Mais pour l'instant, on bosse sur ses compétences. Et j'avais dit, quand ils seront de nouveau rabibochés, on va leur faire faire des bébés. Ce qui, pour l'instant, est en bonne voie quand même. Mais pour on n'y est pas encore. Où est-ce que tu vas? Ah, tu vas courir là, toi? Ah ouais. C'est vrai que j'ai pas joué dans ce quartier, moi, encore. J'avais construit, mais j'avais pas joué. Ça va, Georgette? Tu t'en sors avec ton... Elle est crevée. Et compétence 5! Papa, nous sommes donc au dernier stade de l'aspiration. Il nous faut niveau 8 dans 6 compétences. Ça va être long. Des bisous, Catwoman, à bientôt. Si, bah, je sais pas encore quand. Mais des bisous, à bientôt. Il y a des gens aussi que quand un Sims meurt, un autre PNJ malfagoté débarque, c'est ça. Ah, ça va, elle kiffe, hein, tricot. Oui, t'iras dormir après, promis. Promis, juré, craché. Il est revenu, viens, Jean-Claude. Là, on a gagné des sous. Toi, tu vas me faire un petit pipi. Et tu pourras aller te coucher. C'est pas très passionnant. Hein. Essaye d'avancer comme on peut. Tu peux attendre là avant d'aller aux toilettes. T'attends que ton ex-femme... Voilà, tu peux y aller. C'est sûr qu'avec une seule salle d'eau... On est obligé d'attendre. Hein. Ils sont plus ensemble, donc forcément. C'est comme ça la vie. C'est comme ça que je t'aime. J'en peux plus. Pardon, excusez-moi. C'est les jours des bagarres de quartier. Tu vas prendre ta douche. Parce que tu commences à légèrement puer des aisselles, mon petit. Et puis tu vas manger. Elle aussi, elle se lève.
On se lève tous pour Danette, Danette, Danette. Alors, elle est en congé aujourd'hui, lui aussi. Sauf que j'ai envie d'avancer dans ses compétences à elle, en fait. Parce que là, ils vont se remettre ensemble. Ça se voit, ça va aller. Ça sera pas si compliqué que ça. C'est divorcé, mauvaise relation amoureuse. Parfois, votre instinct vous dit que ça ne fonctionne pas du tout. Et vous vous dites alors que votre instinct... Et vous dites alors à votre instinct de se taire. Ouais. Ça, Jean-Pierrette, là, elle va pouvoir aller prendre sa douche après. Oh non, tu vas pas être malade. Hein. Vous allez me casser les couilles quand vous êtes malade. Hein. Sinon, tu peux raconter une histoire délicieuse. Ou pas. Lui, à part faire son fitness... Bah, tournera à courir. Au pire, il fera ça. Hein, cocotte ? Elle va parler. Elle est sexy, hein, Lila, quand même. Complimenter. Proposer des astuces, des énigmes logiques. Ça, c'est je travaille, hein, compétences. Hein. En ce temps-là, ils discutent, ils s'entendent bien. Enseigner le tricot. Non, pas enseigner le tricot. Pas tout de suite. Il met la journée. Draguer. Écoutez, on essaye. Hein. On essaye. Je vais enlever la toile de la piscine pour que les petits puissent se baigner. La chance. Non, elle est pas en France, elle est au Québec. Voilà, bah, l'a dit. Je pourrais éliminer sa journée et puis la draguer aussi. Hein, voilà. Regardez, ils sont déjà très amoureux. Enfin, ils sont amis. Tu vas se demander à signer pour l'abrogation, j'avoue. Conversation profonde. Il suffit juste après de faire un peu de drague et puis ça passe. Hein. Ça va remonter la barre rouge, hein, parce que là, la barre verte, c'est bon. Bah non, c'est des bains de minuit pour les gosses, voyons. Oh là là. Ça va être trop facile, en fait. Je pensais que je galérerais un peu plus. Alors, mais elle, elle a pas dormi encore sa nuit, hein. Ah non, mais là, arrête d'avoir... Tu m'énerves. Alors, tu vas me faire ça. Faire ça. Non, c'est bon. Fais pas la signe d'abrogation. Toi, tu vas y courir, mon petit. Va courir. Oui, bah avant, vous pouviez faire les enchaîner. Maintenant, vous pouvez plus. J'ai compris. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais va pas tricoter! Je t'ai dit, tu fais des toiles! Mais elle est bête, elle aussi. Elle danse. Elle tricote ou elle danse, mais elle veut pas faire de toiles. Non, eh, franchement, Lila, on va pas être copine hein, si tu commences à faire des. La teugle. Hein. Oh. Bordeaux. Bordeaux. Tellement sexy. Bon, c'est pas grave. Plutôt bâche que toile. Oui, 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 non, mais j'avais compris. T'inquiète. Allez, Gertrude. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mazette. Ah, tu me saoules, Lila! Va faire ta sieste! T'as qu'à dormir aussi la nuit, hein! À un moment donné, tu me les pètes là, un peu les couilles, là. Oh la vache, on a plein de mouches. Je sais pas comment tu vas composter ça. Car le zombie répond. J'ai reçu votre colis dans ma boîte aux lettres. À tout hasard, est-ce que cet objet était censé être comestible? Oui, oui. C'est tes pieds qui les bouffent. J'espère qu'il va pas crever d'ailleurs, je suis en train de me dire.
Oh non, faut pas que tu meurs. Non, faut pas que tu meurs. Faut pas que tu meurs. Faut pas qu'il meure là, c'est la merde s'il meurt. Faudrait que Lila se remarie avec un autre. Ah, oh, j'ai eu peur. C'est bon. Il y a pas oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai mal aux fesses. Allez, va recourir un coup. Oh non, mais ils sont mal. Oh, ça me... C'est bon, va courir. Et dès qu'elle a fini de dormir, elle retourne là. Qu'est-ce qu'on va pousser en compétences, là? Moi, je ne sais plus. Hein. Non, c'est bon, on veut pas répondre. Alors, compétences, parce que là, je sais plus lesquelles on a dit qu'on allait faire. Bien-être, bricolage, charisme. 1, 2, 3. 4... 5, 6, 7. Oh. Ouais. Il m'en manque une. Hein. Attendez. Je compte quand j'ai 4, niveau 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, il nous en manque une. Bah, le fitness, hein, j'avais dit fitness. C'est bon. C'est bon, j'ai les 8. Ça va être chiant. Mais bon, allez, fais ta toile confiante. Non! Arrêtez de nous appeler. D'accord. Je t'ai pas demandé d'aller courir, en fait, toi? Si, hein, je me semble que si. Mais! Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un... Huh? Bertouni. Oui, on peut mourir à cause des mouches. Vous faites quoi, monsieur? On vous connaît pas? Vous faites quoi dans ma cuisine? Ah, ça y est, ça va être... Non, mais alors, dégage. C'est bon. Ouais, dégage. Pourquoi je peux pas le virer? C'est gentil de nous faire un gâteau, hein. Sortez le gâteau, sortez les couteaux. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais fais ton truc, hein. Faut que je lui fasse faire du fitness. Je vais l'envoyer courir aussi, après. Mais casse-toi! Dégage! Méchant. Non, mais fous le camp de chez moi! Ou je te tue. C'est au choix, hein. Je peux te tuer, là, en trois clics, hein. En trois clics, t'es mort. Tu n'as jamais existé. Suffit. Il est super comme quartier avec les grillages et tout. Voilà, elle est partie courir aussi. Les compétences. Hein. Oh, livreur de pizza. Oh, ce cul. Je vois pas la raison. Non. J'ai déjà eu pire, mais. C'est barré l'autre là? Taré là? Dégage de chez moi! Défense d'entrée. Bah, pour les voisins. Je sais pas qui c'est, hein. Fais gaffe, hein, je te supprime. Mais franchement. Non! Dégage! Il va regarder la télé, fout le camp, oui! Vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Mentalement détendu. Socialisation. Et comme ça, tu lui demandes de se casser. Voilà. Dégage! Mais arrête! Dégage! Quand... Et lui, c'est... Allez, c'est bon, je le tue. Rien à foutre. Notification... Non, c'était pas ça. Commande du Sims. Maintenir le Sims. Supprimer le Sims. Allez, hop, dégage. T'as supprimé. Tu n'as jamais existé. C'est bien fait pour toi.
Tu vas le ranger. Ah non, mais c'est bon là. Il me cherche, il me trouve, hein, moi, les signes. C'est comme ça, hein. Zigouille. Oui, zigouille. Ça y est, c'est parti. Il n'a jamais existé. Ah non, c'est bon. Jette ça, s'il te plaît. Ah, tu peux vider les... Vas-y, vide les poubelles. Mais tu vas les mettre où, les poubelles? Elle a disparu pour vider la poubelle? Tu peux composter ça? Ouais. Essayer de faire partir les mouches. Non, je suis mon héritière, je vais pas tenter le diable. Par contre, va repousser tes limites là pour ton, pour tes points, pour ton aspiration. Ouais. Oh, on est arrivé au niveau 4. C'était la compétence qu'on avait la moins bonne. Putain, mais toi, t'es... Je me suis trompée de touche. Viens te relaver, s'il te plaît. Après, tu viendras vendre ça. Tu viendras manger. Ah, voilà, niveau 4, ça c'est bon. Ouvrir. Voilà le gâteau. Sortez les couteaux. On va pas être beau, mais Lila va avoir un niveau 8 hein, au sport. Hein. On va être obligé. Ah, je vous jure. Je regarde. Bon. C'est prévu dans le gameplay, vous allez venir alors. De quoi? J'ai eu des PNJ qui venaient aussi cuisiner, ils n'arrêtaient pas. C'était quand j'avais union des... Ah bah j'ai union des gourmands aussi. D'accord. Bon bah tant pis, il n'a jamais existé ce mec. Hein. Il m'a cherché. Oh putain, il lui mine la main. La cocotte. T'iras te prendre une belle douche après, t'iras te coucher parce que t'es chiant, t'es toujours fatigué. Pourquoi? Mais arrête de vouloir tricoter toutes les 2 minutes! Tu finis ta douche! C'est pas possible ça! À un moment donné, là, quand même. Elle tricote, elle trouve ça chiant, mais elle arrête pas. Elle est bizarre cette fille, hein, quand même. Tu veux faire quoi? T'es vraiment fatiguée? Il est 21 h. Viens tricoter. Eh, viens tricoter. Reprendre le tricot. Oh, les chaussettes. Refais le tapis. T'as même pas fini le tapis, va. Saleté. Ouais, bah c'est un truc confiant, mais bon. C'est pour être pour les futurs enfants, mais il était pas de la bonne couleur. Tu vas aller manger aussi, Coco, après. Hein. Non, 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 pas de petits pois, non. Pourquoi vous cassez les pieds? Tu peux regarder la télé si tu veux. T'es avec son tricot là. Tricote-moi un tapis! Ouais, PNJ qui vient de faire les gâtales. C'est pour ça que chez Iowa, la meuf, elle en avait fait 5 là. 5 gâtales blancs là, 5-6 gâtales, je sais plus combien elle en avait fait. Ouais, je suis pas sur la bonne. Il finit la journée. Voilà! Youhou! Elle a fait le tapis! So far! Technique de drague. Regardez, l'amitié remonte à fond. Ils vont être les best friends. Puis un jour, ils seront bourrés. Enfin, chez les Sims, ça n'existe pas. Mais, et puis, ils vont recoucher ensemble. C'est comme ça. Puis, ils vont se rendre compte que finalement, c'est la mûre. J'ai envie de... Sa chaise maintenant. Oula! Des envies bizarres. Je pense, mais c'était super chiant en appartement. Tout le monde venait cuisiner. Même ceux des événements. Bah, je vois ça. Princess K. Parce que, à la limite, chez Iowa, c'était quelqu'un qui était venu. Voilà, c'était sa pseudo-copine. Alors que là, quelqu'un qu'on ne connaît pas, quoi.
Allez, va te coucher. Il m'énerve aussi, il est fatigué, je te le dis. Tu iras dormir après. Alors, fais-moi voir ton tapis. Quel joli tapis violet! Ouais, mais j'ai déjà mis un tapis, moi. Ah, on va mettre en vente sur Plopsy. C'est pas grave. T'as remonté à fond ton divertissement. J'attends qu'il remonte à fond son divertissement parce que lui, il est chiant avec ça. Après, on fera une petite journée. Et puis, ce sera bon. Sachant que ben lui ne travaille pas, mais elle, elle travaille. Est-ce qu'on va au travail avec elle? Je pense que oui. Voilà. Quand j'y pense, je vais voir mon arrière-grand-mère le 16. Oh bah dis donc, la chance. Ouais, c'était horrible, jour des bagarres, s'en fout. Des sénelles? Je connais pas. I don't know les sénelles. Pisser, mec. Donc c'est sûr qu'on va pas on va pas s'occuper de lui aujourd'hui. On va partir avec avec Josiane là. Et ils sont encore malades. Ah sérieusement. Et flatte-le. Torbo, Demaza, mais elle a encore une fois pas dormi. J'ai pas regardé moi. Tu me casses les burnes, hein, Lila. Pourquoi lui il dort tout sa nuit, pas toi? C'est pas possible, ça est relienne. Allez, quenelle! Pas bien écrit, moi je peux pas savoir. Les senelles, moi je lis. Je connais pas les senelles. Non. Si tu t'ennuies, tu fais la ménage. Oh, j'en ai marre, allez, va faire ta sieste, tu me saoules. J'en ai marre qu'ils soient tous malades là. Ça y est, ça me rappelle quand les enfants de la prune ils étaient bébés, hein, entre les bambins et tout. C'était insupportable là. Mais la meuf, elle a pas assez dormi, elle casse ses couilles aussi. J'en ai marre! Allez, dernière journée pour cet épisode. J'avais le bug où tout le monde prenait un verre d'eau et déposait, regardez. Oh putain. Non, mais les verres d'eau, moi j'en peux plus, hein. Je peux plus me les voir. Hein. Les verres d'eau, les verres de jus d'orange, les verres de trou de balle, tout ce que tu veux, quoi, ça me. Acheter un encas. Et acheter un sandwich. Mais au moins, c'est des gens vivants que nous avons aujourd'hui. Alors, tu manges. Saluer trois patients. Radiographie un patient. Prévu un échantillon. Relation amicale. Ils sont tous rouges. Donc, je pourrais pas m'occuper d'eux. Et nous n'avons pas encore d'autres patients. Et t'as pas fini de bouffer. J'ai acheté sa chair, elle bouffe pas. Il est où son truc? Une blague. Phonofliba. Non mais c'est bon, t'es pas obligé de parler 10 ans. Ouais, bah, donc prévu un échantillon. Est-ce qu'on a des patients? Non, toujours pas. Du coup, je peux pas m'en occuper. Bah, ouais, mais il casse les burnes aussi un peu, non? Radiographier. Ouais, je vais faire une analyse parce que non. Je vais faire une analyse. Eh, viens. J'aime bien les trucs qui disparaissent, tu sais, alors qu'elle est en train de les utiliser.
Ouais, c'est bon. Alors, médicament. Qui c'est qui veut un médicament? Toi, pour les flatulences et fou rire, bah c'est toujours la même chose, hein. Mais casse-toi! Mais bordel, j'en ai marre de ces Sims. Oh ah non, là, c'est un vaccin. Bien sûr, c'était le seul, tu vas voir. Tu vas voir que c'était le seul. Et voilà, c'est le seul. Dégage. Dégage. Ah non, c'est bon, là. On peut pas faire rien de trucs tranquillement. Réussir à calibrer. Calibre, calibre, calibre. Quel calibre, mon chou, calibre. Ah, voilà de la... Hein? Allez, hop. On va... Oups. Faut radiographier un patient. Je vais t'envoyer faire une radio. Et toi, je vais... T'as ce truc sur le lit d'examen. Voilà, on a soigné 3 patients. Normalement, on a une promotion à la fin de la journée. Je finis de rattraper une autre Sauberie, je suis de la team Rediff. Ah, GG! Pour les mères, j'ai mis un mode, ils ne boivent plus tout le temps. Et je n'ai plus de verre qui traîne partout. Je fais des lavages de main à longueur de journée. Ah, tu m'étonnes. C'est la vie, ça. C'est celui d'hier. Il est revenu avec la même chemise. Nettoyer une flaque. Ah oui, il y en a une là. Le Sim, c'est génial. Il s'est barré. Prendre la température du patient, prévoir un échantillon. Est-ce que tu n'as pas admis... je ne sais plus qui. Attendez. Non. Elle l'a pas admis. Oh, tu vas l'admettre, elle. Allez, hop. Alors, on va prendre la température. Prendre la température et on doit prendre un échantillon. Bravo, Lila. T'es chier. Examinez les yeux. Oh, le menton ne va pas très bien là. Examinez les oreilles. Par tous les trous, on va vous regarder, madame. Sachez-le. Sachez-le. On va analyser. Non, tu vas pas faire la vaisselle. Tu vas analyser l'échantillon. Voilà. Mais elle embarque quand même la... Oh là, quel temps perdu! Ah! Coucou tout le monde. Salut Justine, comment tu vas? Tu aurais dû faire présentation chaleureuse, ça t'aurait fait augmenter ton charisme. Ah ouais. Après, je veux pas qu'elle soit, triste pendant 2 jours parce que la personne qu'elle a saluée une fois est morte, tu vois. Nettoyer une flaque. T'as fait n'importe quoi encore. Hein. Transférer le cas du patient, on va te transférer toi. Tac 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 tic touc tic. Fufi. Et on doit nettoyer une flaque. Ah putain, elle est crevée. Mais ouais, mais elle dort pas cette conne. C'est bon. Non, c'est bon, t'as pas besoin de faire autre chose. Radiographier. Et c'est elle? J'ai oublié de la remettre dans son lit. Nawak. Oh la vache. Vas-y, radiographie le corps. L'échantillon. C'est pas du tout long. Médicaments. Est-ce que t'as besoin d'un médoc, toi? La tête gonflée. Ouais, bah y en a plein qui ont la tête gonflée.
Vaccin. Et puis les autres, c'était les vaccins aussi, hein, si je dis pas de conneries, hein, depuis tout à l'heure. La grippe du lama. On connaît les pangolins, nous. Bon, de toute façon, je suis un lore, hein, donc. Allez. Sinon, tu finis bientôt, ça sert à rien que je t'envoie faire une sieste. Les tâches sont pas un peu redondantes à la longue? Si, 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 si. Ah, mais tu l'avais même pas bouffé? Mais qu'est-ce qu'elle est bête! Voilà! Elle était promue technologue médicale. Elle gagnera désormais 14 simflouz par heure, soit 49 simflouz de l'or au total. Elle a également reçu en bonus, pardon, 312 simflouz, des nouveaux vêtements, éclairage chirurgical, vaincre l'obscurité et le tapis de course médicaux. D'accord. On peut enfin utiliser les tapis de course, quoi. Comment on sait depuis combien de temps on est abonné? Pour les follow, moi, on peut. En fait, c'est en cliquant sur ton pseudo. J'arrive plus. Tu me follow depuis le 6 janvier de cette année. Depuis le jour où tu as créé ton compte. Donc ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Et toi, tu vas dormir direct parce que tu casses les pieds. Et toi, tu vas être entraîné. Ouais. Ouais, ça m'agace qu'elle dorme pas, hein, je te jure. Non, tu vas rien faire du tout. Gars, tu vas pas toucher au truc de Lila, hein, je te le dis. Vas-y, tu vas faire ça. Donc elle dort un peu. Ah non, mais elle a qu'à venir, Prune. Tu crois quoi? On n'a pas le temps. Bah, mais c'est bon! Le harcèlement made in les sœurs, quoi. Ouvrir. Ah, il reste plus beaucoup à bouffer, il faudrait que tu fasses à manger. Oh, il a cassé les chiottes. Eh, hey, j'ai un cadeau spécial pour vous parce que vous êtes vraiment une bonne personne et j'apprécie votre gentillesse et votre amitié. Qu'est-ce que tu fais? Mais. Vas-y, avec la rentrée, c'est qui lui? Ah, c'est ton père! Nous avons la voisine qui doit être fantôme. Pourquoi il n'y a plus de neige d'ailleurs? Ok, je capte plus rien. Bah, regarde la télé si tu veux, cocotte. C'est pas le bon fauteuil pour la télé. Alors, il a reçu un cupcake classique à la vanille. Waouh! Mais oui, en plus! Il a offert un cupcake. J'ai jamais vu ça. Mais arrête! Mais il est pas bien lui. Hein. Hey, tu connais pas ton beau-père? Là, c'est le beau-père qui vient, mais si tu fais une présentation polie, tu pourras lui faire signer l'abrogation, ce serait cool. Beau papa. Oh, c'est long. Je m'ennuie moi-même. Et merci, œil de plume, excuse-moi, j'ai zappé de te remercier. Merci beaucoup et bienvenue sur la chaîne. Alors, tu peux truc d'abrogation là ou pas? Je l'ai vu, merde, je suis passé trop vite. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ouais, là. Comme ça, c'est fait. Arrête de vouloir faire le deuil, Jean-Claude! Va courir. On merdera moins. Merci beaucoup, Nami! De rien, mais je te connais depuis longtemps. Bah, ça fait plaisir, Princess K. Franchement, ça fait plaisir. Tu as un petit logo devant ton pseudo, il change de couleur selon le nom de moi. Exact. Oui, non, mais elle voulait savoir depuis combien de temps elle était abonnée. L'abonnement sur YouTube, ça équivaut au follow sur Twitch. Et merci à Andrea pour ton follow. Merci beaucoup. On reste 7 personnes avant les 1300. C'est énorme. C'est beaucoup, hein, 1300 sur Twitch. Hein. C'est pas facile. Elle a eu sa signature? Yes, elle l'a eu. Yes, 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 yes.
Ah oui, va bien réparer. Tu as augmenté tes skills en... Qu'est-ce que tu fais? Non, monsieur! Je crois que beau papa, il va encore envoyer un signal. Oh, lui, il est encore malade. Oh, il me casse les couilles, hein, je vous le dis, moi. Heureusement, on va s'arrêter là parce que, et à un moment donné, les Sims, ils commencent à me taper sur les nerfs et après, je suis plus zen, hein. Je suis déjà vulgaire un petit peu de base, mais là, là, ça va être pire que mieux, hein. Et elle est encore fatiguée, là. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Ah, la cuisine. La cuisine, ma cocotte. Tu vas me faire la cuisine, tu vas servir le dîner. Boulette de viande. Je sais, il est déjà sur la gazinière. Oh, il est rempli de plaques, lui. Et elle rentre à la baraque. Et voilà. Il fait un gâteau. Viens parler à ton daron, déjà. Raconter une histoire dramatique, tu sais. Alors, t'es pas venu au mariage parce qu'on te connaissait pas. Mais on a divorcé, en fait. Je vis encore avec elle parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Mais on a divorcé. Oh. Zorbitan. Encore un gâteau blanc. Non, mais voilà, c'est ça. D'accord, en fait, ouais, c'est les petits culs que tu vois de différentes couleurs. Là, c'est quand vous me soutenez financièrement ou vous dépensez. Après, si vous avez un abonnement Prime sur Amazon, vous pouvez le lier à votre compte Twitch. Et en gros. Range ma cocotte, range. Range, 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 range. Et en gros, vous pouvez me donner, si vous le mettez, votre Prime sur mon live, ça ne vous coûte rien, mais vous me soutenez. Mais moi, je reçois quand même un petit peu de sous chaque mois. Voilà. Donc si vous avez Prime, vous liez votre compte. Et si vous ne l'avez pas utilisé ailleurs, évidemment, chez quelqu'un d'autre, vous pouvez le donner à moi. Mais après, si vous ne l'utilisez pas, si vous ne voulez pas me le donner, il n'y a aucun problème. Donc elle a eu le niveau 5, on est bien en charisme. Allez, on a un poil de cul là, le charisme. Allez. On a un poil de cul. Complimenter la tenue de beau papa et flatter le fils. Là, le charisme, c'est bon, on est à 98% là. Hein. On va mettre le cupcake à l'abri aussi, tant qu'à faire. Ça, on avance sur nos compètes. Hein. Voilà. On a encore pas mal de boulot, mais. On a encore pas mal de boulot. Sur 8 compétences. 6 compétences. Ah, mais il y en a 2 que je dois maxer. Donc en gros, il faut arriver sur 8 compétences niveau 8 minimum. Et après, 2 que je vais maxer. On verra bien. Non, il y en a marre des vieux. Oh! Allez, tu peux dire à ton père de partir. Demander de partir. Non, mais avant qu'il fasse n'importe quoi. Et puis elle va aller se coucher. Pff, il est pas si tard que ça. Tu peux me faire une toile? Une pop art, allez. Ça nous fait des sous aussi. Eh, je vais peut-être la vendre sur Plopsy. Pensez que la toile avec les cochons, je l'ai pas mise. Elle est où la toile avec les cochons? Elle est là. On va la mettre là. On peut les mettre sur Plopsy, effectivement. Bah, je vais la mettre sur Plopsy, on verra ce que ça donne, la prochaine toile. Ouais, salut pas, merci pour le cupcakes. T'es le best. Tu peux manger ça? Et on va mettre ça sur Plopsy. On verra bien ce que ça donne. Tu pourras l'inviter pour le second mariage du coup. Évidemment. Et oui, évidemment. Effectivement, c'est ce que je voulais. S'il est pas mort avant. Oui, ah ouais, j'avoue, ouais. Je savais pas pour Amazon, je vais essayer de récupérer le compte de monsieur. Ah, ben voilà. Salut Emeline, pardon, oui, c'est ça, Emeline Croft. Bonjour. J'ai un peu bugué, c'est ton pseudo, désolé. Mais elle est obsédée avec son tricot, hein. Mais c'est quoi? Arrêtez de venir chez moi! Ah, c'est la... Ah, bah, c'est la sœur. Ou c'est la mère. Non, c'est la mère, mais on la connaît déjà, celle-là. On va pas refaire connaissance avec la mère qu'on connaît déjà. On a vu tous ses trous à la mère. C'est un mauvais jeu de mots. Lila.
Ça suffit, Lila. Ah bah oui, il va faire n'importe quoi, hein, meuf. Voilà. Elle travaille en plus. Elle travaille à 9h. 9h17. Diagnostiquer correctement un soignant patient. On ira peut-être pas, hein. Parce que... Elle voulait retricoter, hein, cette saleté. Parce que de toute façon, on nous demande que le niveau 3, donc... Comme on est au niveau 4 maintenant. Il y a la mort. J'ai entendu la mort arriver. Elle est où? Mais elle est là, la tombe de la voisine. Ils l'ont mis au rez-de-chaussée. Donc c'est la mort sans être la mort, quoi. C'est le fantôme de la voisine qui vient. Tant qu'elle vient pas chez moi, ça ira. Allez, Jeannette. C'est loupé. C'est un loupé. Oh la vache. C'est ça, apprentissage constant. Allez, finis-moi cette toile. Putain. Elle veut tricoter. Elle veut pas te peindre, elle veut tricoter. Lila, tu me casses les pieds, là. Tu perds du temps. La voisine, elle est enfermée dans l'appartement du dessous. Arrête de te plaindre. Finis cette toile. C'est incroyable. Oh, putain, mais... Arrête. Oh, la vache, c'était difficile, hein. Oh, allez, va dormir. Clopsy, va dormir. Ah non. Ouais, bah, c'est fut fameux. Ce fut fameux. Résumé rapide. On a avancé un peu sur les compétences. Sur 8 compétences. Bien-être, bricolage, charisme, cuisine, fitness, logique, peinture et tricot. C'est pas mal. Je vais enregistrer. Et puis, on va se quitter là pour cette aventure. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Donc, peut-être rabibochage complet, parce que là, on a bien avancé quand même. Ils s'entendent très bien. Il suffit juste que maintenant, ils se dragouillent plus ou moins. Et que... Et puis, voilà, comme papa dans le moment, ça devrait aller très facilement. En attendant, moi, je vous fais des très gros bisous. YouTube, à très bientôt. Et puis voilà quoi, à la prochaine. Bisous, ciao.